Mr. Pop. Yeah, now. It's time, Michael. Joyeux Halloween, mes petites goules. Les enfants se baladent dans les rues, déguisés en sorcières ou en fantômes, et passent de porte en porte pour demander des bonbons. Mais non ! Halloween, ça n'est pas ça. Samhain, la fête de Samhain, représente le début de la saison sombre et le début des sacrifices. Tout le monde semble avoir oublié. Tout le monde sauf Halloween 3, Season of the Witch, sorti en 1983. Alors, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est... Mais Halloween, ça n'est pas la série de films avec le tueur au masque Michael Myers ? Oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. À la fin de Halloween 2, Michael Myers meurt de manière certaine. À partir de là, le but de John Carpenter était de sortir chaque année un film sur le thème de la fête d'Halloween sans aucun rapport avec les films précédents. C'est donc ce qu'il a fait. Et Halloween 3, le sang du sorcier, n'a rien à voir avec le tueur masqué. Mais bien sûr, les fans de la série de deux films à ce moment-là, il faut le préciser, ont hurlé au sacrilège et Michael Myers a été ramené à la vie pour le film suivant. Mais au milieu de cette polémique, ce que tout le monde a l'air d'oublier, c'est que Halloween 3 n'est vraiment pas un mauvais film. Oh. Bon, le scénario est un petit peu « over the top », comme disent les Américains. Je ne trouve pas de bonne traduction française à « over the top ». Peut-être exagéré ? Parce que, oui, dans ce film, on n'a ni monstre ni alien, mais bien pire, des Irlandais qui veulent détruire le monde en mêlant technologie et magie dans des masques d'Halloween. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le scénario ? Et il ne faut pas oublier non plus les robots roux qui ont du jus de citrouille à la place du sang. Enfin, du moins, sur le tournage, c'était du jus de citrouille. Ah oui, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais ça risque d'être difficile de parler de ce film sans spoiler. Je ne vais pas vous révéler la fin non plus, mais je suis obligé de dévoiler quelques surprises. Donc, notre héros est le docteur Chalice, encore un héros à moustache, qui enquête sur le meurtre d'un de ses patients. Il aide en fait la fille de ce patient, et on ne peut pas lui en vouloir de suivre cette beauté typique des années 80. La relation entre les deux personnages est assez spéciale, et donne une scène pseudo-romantique plutôt comique. Je vous rappelle qu'ils se connaissent depuis moins de 24 heures, et que le père de notre héroïne vient de mourir. Mais ils se font passer pour un couple pour le bien de l'enquête, et une fois dans le motel, la question du lit se pose. I could sleep in the car. Be better in this floor anyway. Where do you want to sleep, Dr. Chalice? That's a dumb question, Miss Grimbridge. Il faudra que je teste cette technique de drague, mais il me manque la moustache. Quoi qu'il en soit, même si les héros sont plutôt basiques, le film est une fois de plus relevé par son méchant, Mr. Cochrane, joué par Dan O'Hurley. Ce n'est pas un spoil, on sait que c'est le méchant à l'instant où on le voit, mais voici sa grande réplique du film. You don't really know much about Halloween. You thought no further than the strange custom of having your children wear masks and go out begging for candy. It was the start of the year in our old Celtic lands, and we'd be waiting in our houses of wattles and clay. The barriers would be down, you see, between the real and the unreal. And the dead might be looking in. To sit by our fires of turf. Halloween. The festival of Samhain. The last great one took place 3,000 years ago when the hills ran red with the blood of animals and children. Ce film n'est pas un slasher, c'est un film d'horreur. Pas un des meilleurs, mais un bon film d'horreur. Tout ce qui compte, c'est qu'on s'ennuie pas en le regardant. Or, ce film mélange religion païenne, théorie du complot, il dénonce la surconsommation qui a lieu pendant certaines fêtes. Bon dieu de merde, les méchants vont quand même voler un morceau de Stone Age pour leur plan, ça se voit pas tous les jours. Il est aussi assez violent. Plusieurs scènes gore ont été rajoutées dans les dernières versions du scénario. Par exemple, si j'étais toi, je ne toucherais pas à... ça. Ce film a même les couilles de tuer de manière particulièrement horrible des enfants devant caméra. Maintenant, Halloween 3 n'est pas un nanar, il a même quelques bons moments d'ambiance. Mais si vous le regardez le 31 octobre, comme moi je vais le faire, il y a quand même un choix de jeu à boire qui y est associé.
J'ai appris ce jeu par Brad Jones, le cinéma snob qui en parle dans sa série 80s Dan. Il n'y a qu'une seule règle, à chaque fois que vous entendez le jingle emblématique du film, vous buvez. Et croyez-moi, on l'entend souvent. Et si vous demandez ce qu'il chante, c'est Silver Shamrock, le shamrock étant le trèfle irlandais. Si vous aimez OVNI Cinéma, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à partager la vidéo. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un super Halloween avec ou sans ce film. Et maintenant, bye 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 bye. Mister, didn't mean to scare you. Just saw that bottle, thought it looked pretty heavy.